Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transport Tueur 2. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au niveau de la gare de Fontenay, puisque hors vidéo, j'ai commencé à tester plusieurs schémas d'aiguillage et j'en ai trouvé un qui me paraît pas trop mal. Alors pourquoi je l'ai fait hors vidéo? Puisque ben, vous le savez, les aiguillages c'est long, on en fait déjà souvent en vidéo, c'est un peu le truc qui revient souvent. Et en fait je commence hors vidéo parce que là, j'ai recommencé plusieurs fois avant de trouver un modèle qui me convenait et quelque chose qui me convenait. Donc c'est pour ça que je préfère le faire en vidéo et ensuite, dès que j'ai trouvé quelque chose qui me convient, hop, je démarre donc la vidéo avec vous et comme ça, on peut continuer tout ça ensemble. Alors voilà donc à quoi ça ressemble au premier abord. Donc on a la gare de Fontenay juste ici, j'ai rajouté là une petite voie en heurtoir. Il va falloir que on modifie donc nos rails en gare pour mettre des rails à 60 déjà. Donc on va faire cette première étape ensemble. Donc là les quais, cette voie là et cette voie là, ce seront nos quais pour les TGV. Donc ça nous laisse 3 quais pour nos TGV. Normalement ça nous laisse suffisamment de marge. 3 quais pour les TGV, on devrait être pas mal, hein. On va être pas mal. Et ensuite donc les 3 autres quais, ce sera avec le quai là en terminus, ce sera les quais pour les TER. Donc les TER qui arriveront de Belfort, ainsi que les TER qui arriveront donc là-bas de Limoux, et les TER qui arriveront ici de Tulle également. Donc là on va mettre des rails, on va prendre des rails 1500 volts bois et on va se mettre ça. Alors pas ici, voilà. Oui donc on a tout électrifié ici en 1500 volts, voilà, on va dire que le 1500 volts est venu jusqu'ici. Et on électrifiera la voie qui montera là-haut à Belfort en 25 000 volts. Voilà, dans la logique, c'est un peu plus logique qu'une ligne de montagne soit mieux électrifiée. Voilà, donc là... Ah, j'ai cassé un morceau de verrière, je crois. Je crois que j'ai cassé un morceau de verrière. Donc là, on met ça... Hop, tout comme il faut. Voilà, comme ça on a une voie à 60. Est-ce qu'on se met là une voie ici? Une dernière voie. Non, c'est pas nécessaire. On va se laisser la verrière là au bord. On va se laisser la verrière au bord. Donc divers. Hop, ma petite verrière bordelaise. Voilà, on va la mettre juste là. Et donc, on va mettre le BV aussi en place. On va mettre le BV en place, puisque du coup, on n'a pas de BV pour l'instant ici. Quel type de BV allons-nous prendre? Alors on a pas mal de choix, on a les gares PLM, maintenant on a les gares de l'Est aussi, et puis les gares de l'Indre. Bon, on a vraiment un large choix qui s'offre à nous. Il nous faut quand même un gros BV. Ça c'est un gros BV, mais c'est pas le top. Ça c'est des petits BV. Non, je pense plutôt qu'on peut partir là-dessus. Hein. Comme d'habitude, ça me met la sortie par contre pile là où il faut pas. Peu importe où je vais mettre, de toute façon, ce sera mort. Sinon... Bah sinon, une vieille gare. Une vieille gare comme ça. Alors ça, c'est le modèle qu'on a utilisé à Saint-Flour, celui-ci. Donc on va pas le réutiliser. En jaune, ça donne quoi? C'est des briques. Des briques claires. Ouais, les briques claires, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Et la verrière, c'est catastrophique. C'est catastrophique avec la verrière. Si je mets lui, ce sera peut-être mieux. Alors je vais centrer par rapport à la verrière, pas centrer par rapport au petit bonhomme là. Ouais, on va écarter un petit peu. Ouais, on va écarter un petit peu, même si c'est pas le plus beau, tant pis. Hein. L'esthétique ne peut pas toujours l'emporter. Casse tout, alors faut faire gaffe de pas casser plus, sinon là on aura plus d'industrie si je casse plus. Hein. Si je casse plus, on peut dire au revoir aux industries, donc ça ce serait quand même pénible. On va mettre ça, ça jusqu'à là, et puis là on va partir sur ensuite un plus petit modèle. Voilà, pour les côtés. On allège un petit peu le gabarit.
Donc on aurait ça comme BV, ça me va bien. Ça me va bien, ça me va bien. Donc en fait, que je vous explique un petit peu là au niveau des voix. Au niveau des voix, ce qui se passe, c'est que là, ça c'est la ligne qui va monter, qui monte fort, vous le voyez, mais parce que ça monte fort, j'ai pas le choix, qui va monter vers Dole et puis Belfort. Donc en arrivant de cette ligne-là, on accède donc en gros à tous les quais jusqu'à là. Donc on accède aux 3 quais TGV plus l'avant en heurtoir. Donc là, vous voyez, l'avant en heurtoir, tac, on va là, on repart ici. Cette voie-là, tac, on repart ici. Ensuite, là, on peut aller là. Et ensuite, on peut aller là-bas et repartir comme ça. Ensuite, là, des 3 voies TGV, on accède également aux voies. Donc ça, c'est les voies qui vont aller vers Chantilly, justement. Donc vous voyez que de la voie 1, là, tac, on traverse tout comme ça. Là, on traverse comme ça en 2 étapes. Et puis là, bah voilà, là, c'est tout droit. Et ensuite, depuis Chantilly, on peut donc également accéder à tous mes quais, à mes 3 quais qui se situent ici. Et pareil dans l'autre sens. Là, j'ai mis 3 petites voies de garage ici. Et puis de l'autre côté, bah, je ne l'ai pas encore fait. Je pense que ça sera la voie de terminus pour les TER qui arriveront de Belfort. Je pense qu'ils viendront terminus ici. Ou alors ils viendront terminus sur un quai TGV. On verra. On verra. Mais je pense que les quais TGV seront quand même rapidement utilisés. Et en tout cas, voilà pour à quoi ça ressemble. Donc ici, là j'ai fait monter la voie, donc avec une courbe à 100 km/h, et ensuite c'est parti pour la montée. Là, on a une courbe ici à 100 km/h, et ensuite, il faut qu'on relie, en gros, à ce morceau-là. Il faut qu'on relie à ce morceau-là. Donc là, c'est ici que je m'étais arrêté, et c'est là qu'on va essayer de relier. Alors... on va essayer de relier avec la plus grosse vitesse possible, sachant que là, il y a une différence de niveau inévitable entre les deux, vu que là, je ne suis pas descendu. Donc, on va voir dans le principe... En vrai, là, la pente et reste assez raisonnable. Si là, on met une pente comme ça, ça reste assez raisonnable. Donc, on va tenter... Allez, à 140... 140, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Donc là, on va serrer la courbe ici au max. Voilà. Donc là, j'aime bien. Là, ça va faire les deux voies qui arrivent avec deux niveaux différents. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Alors, il n'y a pas de gare frette pour le moment. S'il y a une gare frette, on l'ajoutera plus loin, par là. Et là, il y aura sûrement une voie qui tournera à gauche pour aller jusqu'à l'usine là. Et ce sera sûrement la voie qu'on utilisera pour ensuite monter vers Tulle. Simplement. Alors, ici on en était. Du coup là on va monter. On va monter aussi ici. Il y a tout qui monte. Ok. Là, on est au bon niveau, voire on est trop haut. Donc on va revenir sur du plat, genre par là. Okay. Tac, 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 on casse tout ça. On va y arriver. Là, on va continuer de tourner à 140. Ouais, je pense qu'à 140, c'est largement jouable. Ok. Et là, ensuite, là, on pourrait être à 160. Là, on pourrait être à 160 comme ça. Et on aurait juste à refaire, du coup, la courbe ici. Et ce serait bon. Voire même là, on va tourner un tout petit peu plus encore. Donc là, on se met une courbe comme ça. Je sais pas si j'ai vraiment tourné plus ou pas. Et là, alors là, on est comment au niveau du niveau, justement. On est quasiment au même niveau. Ok, donc là, faut essayer de caler une courbe à 160. Ça devrait être possible. Je vais casser ça, et on se fait une courbe large. Voilà.
Tac, courbe ici, contre-courbe, nickel. Et donc là, on va valider le 160 jusqu'ici, jusqu'à au début de la grosse courbe, et ensuite 140. Ok. Bon, le 160, on est d'accord que c'est uniquement pour les TGV, hein, puisque les TER, bah, bon, s'ils peuvent l'atteindre, tant mieux, mais là, ils n'ont même pas atteint le 160, qui freineront déjà. C'est plutôt pour les TGV, et je pense que la bif pour mes TGV se fera par ici. Je pense qu'elle se fera par ici. De manière à ce qu'on puisse éviter la gare de Chantilly. Donc on peut commencer à réfléchir pour la bif. Hein. On peut commencer à se faire ça. Pourquoi pas? Alors pourquoi pas ici une voie qui continue comme ça. Là on monte. Alors on peut passer assez rapidement là sur un rail plus moderne. Comme ça au moins, ça permet d'avoir une courbe plus douce. Et là, on arriverait largement à quelque chose comme ça. Donc ça, ce serait très bien. Donc là, on monte, on passe au-dessus, on redescend. Même dès ici, hein, du coup. Dès ici, dès ici. On redescend. Donc on aurait une voie, on aurait quelque chose comme ça. Plus ou moins. Là, tant que le fil passe en dessous, c'est bon. C'est le cas. Donc c'est bon. Là, ça m'a juste mis un 155. Mais j'ai ma petite idée de pourquoi. Ouais, je pense que là... 160, c'est bon. Donc ça, ce serait la bif après pour les TGV. Hein. Ce serait la bif pour les TGV. Donc on va pas s'en occuper plus que ça. Après, on traitera ça quand on s'occupera de la construction de la LGV. Mais dans le principe, on aurait quelque chose comme ça. Et donc là, il se raccorde, tac, tac, tac. Et ensuite, on arrive à Fontenay. Alors, bon, du coup, j'ai cassé pas mal de trucs. Bon, j'ai cassé la route. Les bus, là, de toute façon, on va les supprimer. Voilà. La ligne de bus Fontenay-Beaupréau. En plus, les villes ont changé de nom. Donc, on va la casser. Ok. Bon, il n'y a plus d'avertissement, au moins. Là, on est plutôt opérationnel pour mettre en place mes trains. Plutôt opérationnel, excepté... Bon, déjà, le petit coup de terraforming qui va être nécessaire assez rapidement. Et relier la gare... Enfin, les gares, du coup. Puisque autant ici que du côté de... Du côté de Fontenay, on n'a pas relié la gare. Je vais arriver à parler. Alors là, même, on va peut-être changer le BV, tiens. On va peut-être changer le BV. On va mettre... passage souterrain, bien sûr. C'est chiant, à chaque fois ça met les lampadaires comme ça, c'est vraiment pénible. On va mettre ça, on va se mettre là un petit abri, là on va se mettre un bâtiment, tac, qui couvre l'escalier. Voilà, ça, ce sera bien, pour Chantilly. Ah j'allais dire, est-ce qu'on mettrait même pas des quais roses, tiens, pour changer un petit peu, vous savez. Se faire ça, les quais roses comme ça, ça changera un petit peu, ça fera un peu différent. Alors bon, même si Chantilly c'est pas tout à fait le à ça que ressemble les quais là-bas dans la vraie vie, mais vu qu'on n'est pas dans la vraie vie, on se fait plaisir. Et donc là, je vais remettre donc un passage souterrain. Ok. Ça me paraît vraiment pas mal du tout. Là. Non, ça va être tendu.
Là, ça va être tendu avec le PN. Donc, on va peut-être plus partir là-dessus. Là, tant pis, on va casser ça aussi. Voilà, on peut partir sur une espèce de rue chelou. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop. Là, ici, on va venir comme ça. Voilà. Hop. Là, on va faire ça. Ok. Et après, je vais enlever le player ownership. Ce sera au jeu de faire la suite. Voilà, au moins, on a ça qui est fait. Voire même ici. Un truc comme ça serait assez logique. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça c'est pour chantier. J'espère que j'ai laissé un petit peu de chat. Ouais, c'est bon, la ville va pouvoir se refaire. On va déjà mettre le jeu en play que la ville se reconstruise. Et du côté de Fontenay... Côté de Fontenay, bon, on verra après hein, si on améliore, on améliorera sûrement le devant de la gare. Hein. Sûrement, sûrement. Donc, oui, alors justement, par rapport à cette rue-là, oula, ah, je casse tout. Donc là, justement, on va faire ça ici. On te met là. Je vais te mettre en mode grosse rue. Toi. On te continue comme ça. Au moins tu peux venir là. Et enfin, on va mettre au moins ça pour l'instant. Et après, pareil. On va laisser le jeu développer le reste. Même là, ici. Ok. Bon, au moins la gare est reliée à quelque chose. Ce qui compte, on va mettre le jeu en play. On va placer à présent la signalisation. Alors là, je vais terraformer tout ça. Ouais, et puis on va mettre en service du coup notre premier morceau hein, de voie. Alors, il y a juste là où quand même on va un peu creuser la montagne un peu plus loin, voilà. Tac. Là, c'est la vive de l'LGV, ça, on s'en occupera plus tard. Là, ici. On attend la sauvegarde auto. Là, ici, si on va quand même, un peu améliorer ça, là. Ça sera quand même plus propre à plat. Voilà. On va s'améliorer tout ça comme ça. Et là, la route, puisque là, il y avait quand même une route, hein, ne l'oublions pas. La route, elle va venir là, comme ça. Hop. Comme ça. Au moins temporairement. Après, on verra comment on modifiera tout ça. Mais au moins temporairement, on peut faire ça. Je vais changer donc les PN, parce que là, on a quand même plusieurs PN sur la route. Donc pour mettre des PN français, donc là un PN français ici, ça c'est déjà un PN français, et là aussi, ah bah c'est magnifique. Ensuite là il n'y a pas d'autres PN sur la route, on a juste cette route là qu'il faudra supprimer tôt ou tard. Et on va pouvoir donc placer la signalisation ainsi que les TIV. Donc on va repartir de Commentry, on va repartir d'ici. Où seront terminus mes trains? On a dit que du coup mes trains... Alors, du coup, est-ce que les trains terminus, c'est les trains de... il faut qu'on définisse où est-ce qu'on fait la correspondance. Je pense que le plus logique, c'est de faire la correspondance à Commentry. Je pense qu'en fait, les trains en provenance de Saint-Flour continueront d'être terminus ici à Commentry. Qu'on aura aussi donc les trains terminus qui vont s'ajouter, qui seront les trains de Fontenay. Et on fera le tram, on va faire aller le tram, je pense, jusqu'à la gare ici, la gare TGV.
Et je pense que du coup, en fait, il n'y aura pas de train terminus ici, hein. Je pense qu'en vrai, ces voies-là, on va se laisser ça en trois voies, mais je pense que ces voies-là de terminus, on peut les enlever en vrai. Voilà. Au pire, on peut laisser ça comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et du coup, toi... Non, mais toi, tu vas rester là en heurtoir, c'est très bien. C'est très bien ainsi. Ok. Donc. Météuer, là. Météuer. On va dire à Commentry qu'ils arriveront sur ce quai là, le quai à gauche. Comme ça, ils feront la correspondance directe. Ce qu'on va faire, c'est que toi, je vais t'enlever. Ça, c'est limité à 120. Suis sûr qu'il y a moyen de se mettre une aiguille à 110. Voire à 120. Ouais, alors 120, c'est un peu chiant, ça va faire moche. Mais 110, par contre, ça passe large. Au pire, on met que dans l'autre sens. On mettra un 110 zone dans l'autre sens. Pour que mes trains respectent le 110. Et là, on pourrait faire quelque chose comme ça. Comme ça, on fait une aiguille assez rapide. On aime bien l'efficacité, nous. Ok. Donc, du coup, on va mettre la signalisation. Donc, on va mettre... Ah, bah, je peux pas mettre de signal, là. Ah, d'accord, la gare... Ah, oui, ok, la gare se termine là. Ah, oui, alors, attendez, parce que ça change un petit peu mon histoire. Il me faut au moins la place de mettre un signal, voyez-vous. Bon, comme ça passe. C'est nickel. Donc, un signal, là. Là, il me faudrait un signal à droite. Moderne, droite. Ouais, il me faudra un signal ici. Ok. Ici, bah ici j'ai un signal là, donc c'est bon. On va pas spécialement équiper pour que ça roule à contresens. On équipera la section entre Fontenay et la Biffe pour que ça roule en contresens. Alors ensuite. Alors, voilà, gauche. Donc on va mettre un signal ici. Bon, on va le mettre là, celui pour l'arrivée en gare. Là ici, on va mettre toi ici, hop, toi ici, nickel. Ensuite là, on va mettre toi ici qui peut potentiellement présenter du coup le rallant. Donc on te met comme ça. Dans ce sens-là. Mets-toi. Alors pareil, il faudrait que tu puisses présenter du coup le rappel. Donc on met toi qui peut potentiellement présenter le rappel. Donc ça veut dire que toi, il faudrait que tu puisses présenter le rallant. Ok. On va se mettre un petit canton au milieu. Donc on va mettre toi comme ça, hop, et toi comme ça ici. On se met un petit canton. Et là aussi. Et là aussi, donc on va mettre un canton ici. Là, on va mettre un signal là, un ici. Par rapport au PN. Et ouais, bah on va se mettre aussi un canton. Ah, ça va être un petit canton. Ou alors, il faut que je décale toi. Vu que là, il y a déjà un signal ici, je décale toi ici. Tac. Et là, toi. Parce que là, c'est très proche, hein. Ici. Ici, donc, un carré là pour sortir. Et puis là, bah, du coup, il y a la Biffe. Donc, un carré ici. Je pense qu'on rajoutera du coup des aiguilles pour faire du contresens. Ok. Ensuite. Donc là, un sémaphore là direct après la Biffe. Là, je pense qu'on a même la place. On va s'en mettre un là aussi. Voilà. Place des signaux assez proche. Mais vu qu'on est proche d'une bifurcation, il va potentiellement y avoir deux trains en un laps de temps très court. Donc autant mettre des signaux très proches directement.
Et donc là, c'est 60 pour tout le monde ici. Ça qui est pratique. Donc on a juste besoin de mettre toi à l'avertissement. On va mettre toi comme ça. Je vais aussi placer la signalisation pour ici, hein, tant qu'à faire. Donc on va mettre... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 100 km/h jusqu'ici. Ah là, il y a un 100 qui vient jusque là. Non, bah du coup, là, ça, c'est 60. Hein. Ouais, tout ça, c'est 60. Nickel. Donc, on va mettre... du coup, je vais mettre toi l'avertissement là. Hop, là, un sémaphore. Et là, pareil, c'est bon, c'est déjà fait. Ensuite, le prochain signal, il est là-bas. Et là, les signaux de gare. Alors, les signaux de gare... Je vais mettre, déjà, toi... toi ici. Sachant qu'il va falloir que je mette des indicateurs direction à peu près sur tous. Je vais les placer un peu décalés. Ok. Là, donc je vais mettre toi aussi. Toi, je peux te mettre comme ça. Et toi et toi. Élément, du coup, SNCF, on va venir chercher la petite potence, voilà, les potences toutes neuves. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin. Ici, et bien ici, ah bah tiens, est-ce qu'on se mettrait pas une 4 voies? Et comme ça, toi, ouais, je te mets sur potence, c'est plus joli comme ça. Et là, on met toi comme ça. Ok. Eh bien, écoutez, on est pas mal. On va pouvoir donc tracer notre ligne. Alors, notre ligne, elle va partir de Fontenay. Elle s'arrête à Chantilly. À Commentry. À Chantilly TGV. Et elle vient ici à Commentry. Alors, va falloir qu'on renomme aussi les gares. Parce que là, ça va pas. Alors, ça, c'est Chantilly. Voilà. Ça, c'est Chantilly TGV. Et donc là ici, Chantilly TGV aussi. Voilà, Chantilly TGV pour le TER et Chantilly TGV pour les TGV. Mais dans l'idée, c'est la même gare en fait, hein, c'est juste que bon ben on n'a pas pu mettre les deux au même endroit. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais déplacer ce bâtiment là de passagers pour le mettre un peu mieux. Voilà. Au moins, il sera plus en phase de l'accès. Alors, au niveau de mon tracé. Au niveau de mon tracé, là, c'est bon. Après, Commentry, donc il faut que tu passes par ici. Hein. Voilà, là, tu prends les voies extérieures, c'est très bien. Ensuite, après, Chantilly, TGV. Tu passes par là. Ok, ok. Là, c'est bon. Tac, 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 tac. Et là, t'arrives ici, ouais, c'est très bien. Voire même, t'arrives sur le numéro 7. Ouais, t'arrives sur un des trois ici. Ça me convient bien. Non, même tu vas arriver, ouais, sur le 6 ou le 7. Ouais, c'est vraiment les quais pour la ligne de Commentry. Donc, on va renommer la ligne, du coup, TER. Fontenay. Commentry. Et puis on va mettre en place un train. On va le sortir ici, tac, il fera tout son petit chemin. Et on va mettre sur cette ligne, bah du coup forcément des trains électriques. Hein. Forcément. Donc bon, on a déjà utilisé pas mal de variantes un petit peu de tous nos trains finalement. On a utilisé à peu près tout ce qu'on peut trouver. Ah oui, alors ça c'est des tram-trains. C'est génial. Je sais pas où on les utilisera, mais je pense qu'on les utilisera. Il faudra trouver où. Et donc, je pense qu'on va se mettre des 24-500. Hein. Ou alors, ah bah tiens, attendez, on a les Régiolis qui sont là. Ouh. On a les Régiolis qui sont là. Et vous savez quoi?
Ou sinon, on part sur un corail. On part sur un corail parce que j'ai envie de voir un vieux train. Soit corail, soit Régiolis, soit AGC. AGC, on a déjà utilisé. Non, bah écoutez, je pense que on va pouvoir mettre les premiers Régiolis. Après, là, je réserve déjà des Régiolis pour Belfort. Ou des 24-500. Ou des corails, comme j'ai dit. Après, là, on a un quai que de 160 mètres ici. Faut pas qu'on oublie ça. Bon, écoutez. On va pas chercher de midi à 14h. Surtout que là, il est ni midi ni 14h quand je règle la vidéo. On va partir sur donc du coup en 1500 volts. Hein. On va pas mettre des Mobigo. On peut se mettre les Aquitaine. On va partir sur du Régiolis Aquitaine. Allez, c'est parti, on va partir là-dessus. Bon, pour l'instant, je vais en mettre que un puisque. Impossible de trouver le chemin jusqu'à l'arrêt. Ah oui, ici tu peux pas aller. Zut. Et bah du coup je vais t'acheter ici, ce sera pareil. Voilà, du Régiolis Aquitaine. Du coup, hop, faut que j'aille là. Fontenay commenterie. Nickel. Et bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et on fera le cab ride comme ça de notre Régiolis. Et puis on verra pour, je pense, construire la ligne de tram là qui ira jusqu'à Commentry. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour la suivante. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus.